Château Ikana. D'accord. Ce qui serait génial, ce serait un petit point de sauvegarde des familles. Vestige du château Ikana. Ah voilà. Des cœurs, ça fait zizir, comme dirait qui. Je sais pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas le voir, mais je sens comme une sorte d'appel de sang. Présence étrange. Je crois que tu as un masque qui te permet d'appeler ceux qui se cachent dans les limbes. Raison. Oui, mais il va falloir casser la gueule, c'est chiant. Ah, il faut d'abord enlever. Voilà. Ah, mais être ordonné, j'obéirai. Guido. Fais-moi le malin maintenant. Bon, voilà qui est regrettable, tu étais un adversaire vaillant. Je tiens ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur, où la sagesse s'échappe de mes lèvres. Le plafond d'une certaine pièce du château Ikana peut être ouvert, mais seule une terrible explosion pourrait le fracasser. La défiance et méfiance sont tes compagnons. Mourir sans laisser de traces, la telle est la voie des garous. Ah. Alors déjà, je vais faire un peu le plein de cœur, hein, si ça vous dérange pas. Ça aussi, c'est bien. Attends, bouge pas, toi, bouge pas, toi, bouge pas. Oui, il a fait en bouteille, tout ça. Tais-toi, laisse-moi tranquille, je sais même pas comment tu t'appelles. Taya. Comment faire? On rentre dedans, direct? Démerdez-vous. Tu fermes ta gueule. Petit coup d'estoc, petite teufin. La fameuse teufin du samouraï. Hashtag c'est connu. Ah, mais ensuite je fais quoi? Y'a un truc à faire ou.
Pourquoi il danse, on sait pas. On va dire pourquoi pas. Ah, faut enlever le masque avant. J'ai pas réussi? Sérieusement? Je comprends pas ce qu'il veut faire. Enfin, je comprends qu'il y a un truc avec parce que là-bas il y a une stèle. Regardez. Là-bas il y a quelque chose. Il y a un truc pour appuyer, mais j'arrive pas à le faire. Ah voilà, c'est juste moi qui suis nul en fait. C'est juste moi qui suis nul. Je vis bien. Presque. Y a rien d'autre là-bas? Pas des saloperies? Bon, déjà, y a ça là-bas. Paf! Est-ce que ça marche aussi sur celle-là? Ça marche aussi! Par contre, je sais pas trop comment je vais. Comment je fais? Je me suis baisé en fait! Ta mère. Pardon. Mais quand même quoi. Ah, c'est dégueulasse. Du coup. Les flèches de feu. Ça a l'air de bien marcher sur les sculptures. C'est vrai que j'y pense jamais au monocle.
Vas-y. Mais police d'Hyrule! Mon épée quoi, malédiction de merde. Heureusement je peux utiliser ma tête. Ah, c'est vrai que ça respawn ici, gros jeu là. C'est vrai que c'est l'angoisse. Elle est longue la malédiction quand même. Je trouve. Je ne peux pas le voir, mais je sens comme une sorte d'appel du sang. Présence étrange. Ouais d'accord. Encore un garrot, quoi. Pour contrer l'ire du roi des Ikana, il faudra le brûler. Il faudra brûler ce qui bloque la lumière, pour que la lumière sacrée brille sur le défunt roi. Défiance et mémoire, d'accord. Alors, ce serait bien que j'arrête d'être maudit. Honnêtement. Ce serait vraiment cool, hein. Cœur de cœur! Chute! Peut-être utiliser les flèches normales parce que là je gaspille de la mana pour rien. C'est un avion en papier ça? Attendez, je rêve pas. C'est un avion en papier. Hein. On va pas tomber, sinon on se retape tout, j'imagine. Pute. Ah pute. Grosse pute, quoi. Tous retaper. Ça pour un quart de cœur de merde. Hein. Bon, quart de cœur, on va s'en foutre parce que. C'est tellement juste. Bon bah comme ça c'est fait.
C'est évidemment pas là. Je passe un bon moment, vous inquiétez pas. Comme disaient les jeunes, je kiffe. Mais c'était censé être juste à côté, quoi. Alors je vois très très mal. Je vois très très mal hein, de base, mais... Expliquez-moi. Lapin compris, quoi. Je sais pas où je l'ai ouvert le truc. Je comprends pas. Ouais, non mais on s'en fout. Ah, j'ai ouvert quelque chose, mais je sais pas où. Enfin, je comprends pas où. Ah, ça m'embête un petit peu. C'est ça, j'en viens. Bon, dans tous les cas, apparemment, il va me falloir... Un baril de bombe, un baril de poudre. 50 rubis quand même. Petit bâtard. Ah mais oui, mais c'est le château, il est là en fait. Eh oui. C'est ça qu'on a ouvert. Bordel de merde. Ah bah putain. Au pif. Très bien. Ok, donc là on est bon. Non, on s'en fout, je les connais les mecs, c'est des cons. Ah ouais, c'est Alan Wake maintenant, Link. D'accord, on va peut-être prendre le masque de la momie du coup. Danser maintenant. C'est chaud.
putain de ta mère. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bâtard, heureusement j'ai une fée. Hein. Tu en vois que dalle quoi. Dis-moi que t'es mort. Ah ouais, non, là c'était chaud quand même. Des flèches, ça aurait été cool, hein, parce que là, je suis baisé. Hein. J'imagine qu'il faut être un goron et utiliser ça. Très bien. Ah merde, ça les blesse. J'ai pas fait exprès, les gars. Alors, j'ai juste. Aller me ravitailler. Parce que là, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus de flèches, j'ai plus de. J'ai absolument plus rien. Des flèches, enfin voilà, quoi. C'est vachement utile. Ah bah ils me font des cadeaux, bah c'est bien. Oh, gèle un peu dans toi qui a provoqué d'impensable dans ce royaume de désolation et de ténèbres. Ah les bâtards, mes serviteurs sont tombés devant la lumière qui semble guider tes pas. Alors on a mis des rideaux, quoi qu'il en soit. Les ténèbres qui ont enveloppé mes serviteurs semblent fuir un peu plus, j'ai pas le temps. Quand tes yeux voient la vérité, ton cœur s'ouvre à la lumière. Telle est la nature des ténèbres. Agro gros, agro gros, agro gros, on est méchants, on est méchants. Vous faites flipper. Enfin, vous faites... Ça doit être inquiétant quand on est gamin qu'on joue à ça, quoi. Ah.
qu'il nous avait dit, le ninja, il nous avait dit, ouais, les tentures, tout ça. Mais j'ai pas eu le temps de... D'accord. Une deuxième. Ah ma gueule, elle est mire du jeu. Allez, c'est comme Alan Wake. Tête. Et à chaque fois. C'est pas grave, j'ai la fait. Mais non! Mais niquez-vous! Eh bah putain. Tu me gênes, pousse-toi de là, je vais la voir. Et moi, je te gêne. Ainsi nous a battus, c'est uniquement à cause de ton incompétence, gros lent, ne m'accuse pas. Pourquoi? Répète un peu pour voir, tête d'os. Ah. Minam, gros lent, tête d'os. Tu veux la fermer? Ah, mais regarde pas comme ça, j'étais le meilleur soldat de toute l'armée du Cana. Ah, toi le meilleur soldat de toute l'armée du Cana? Toi? Alors là, je me barre. Dégaine ton épée, guignol! Hein? Allez, t'es le du sort avec là, je t'ai dit dégaine ton épée! Comment ça? Mais c'est pas drôle? Ah! Bande de crétins osseux. Avez-vous donc rien compris? Le royaume a été détruit, nous ne sommes plus que des ombres. C'est à cause de petites querelles comme celle-ci que nous en sommes arrivés là.
Faire confiance à vos frères et pardonner les erreurs. Ce sont des notions que vos cœurs corrompus ont oubliées. Tout ce chaos est survenu depuis que quelqu'un a ouvert les portes de la forteresse de pierre. Toi, le porteur de la lumière qui marche dans les ténèbres, écoute-moi. Je suis Igos de la famille Ikana, roi sur le trône du royaume d'Ikana. Le maléfice qui a été placé sur nous a été brisé quand tu as... quand tu es arrivé avec cette lumière sacrée qui semble t'envelopper. Si tu veux ramener l'ordre dans ce royaume, tu vas devoir sceller les portes de la forteresse de pierre. C'est qui, Pierre ? Cette forteresse est réputée inexpugnable. Un millier de mes soldats ne suffiraient pas à la prendre de force. Oui, mais je suis l'héros du temps. Voilà une quête qui est bien trop ardue pour un simple aventurier, tout courageux qu'il puisse être. C'est pourquoi je vais te donner un soldat, un frère de combat qui n'a pas de cœur. Un allié qui ne sera jamais corrompu par les vents ténébreux. Rappelle-toi cette chanson. Ah oui, quand même. What? Oh, on peut se dédoubler. Ah non, pas vraiment. Oh la gueule. Vous avez appris l'hymne du vide. C'est un chant mystique qui permet de créer une coquille semblable à ton image actuelle. Si tu joues cette chanson en portant un masque qui modifie ta forme, tu pourras créer jusqu'à 4 coquilles. What? Une pour chaque forme. What? Ce soldat sans cœur est ton exacte réplique. Une coquille à ton image qui apparaîtra quand tu joueras cette mélodie. D'accord. Ça ressemble un peu à ce qu'il y avait dans Minish Cap. Que sur mon royaume endormi brille la sainte lumière de la justice. Ok. Est-ce qu'on peut lui défoncer sa race? Non. Bon, bah on va se casser, hein. Parce que c'est bien joli tout ça, mais on est au dernier jour et il serait temps de... Voilà. Il serait temps de reset le timer avant qu'il y ait un souci. Voilà, on va sauvegarder et on va se quitter là parce que moi, il est 9h-20 et j'ai toujours du soir hein, et j'ai toujours pas mangé. Voilà, et j'ai faim. Voilà, à l'aveugle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc je vous fais les bisous, la prochaine fois on resettera le timer et on s'attaquera au donjon. Voilà, je vous fais les bisous et des bisous.